honnêtement, sur les mains, j'ai fait des bonnes séquences, mais la seule séquence où j'ai un peu perdu mon schéma, ça a été fatal. C'est pas grave, ça fera du travail, mais je suis quand même contente parce que depuis que j'ai fait ma première compète vraiment sur le circuit, j'ai ramené quand même une médaille d'argent. C'est pas celle que je voulais, mais ça fait quand même plaisir. En fait, je pensais pas que je l'ai donné. En fait, je l'ai donné parce que je sens qu'elle m'emmène, mais moi, je me suis dit, je vais prendre son élan pour lui faire un sumigashi, mais malheureusement, elle m'a bien contrôlé, donc ça passe pas. C'est des choses que je travaille, j'ai essayé, j'ai raté, c'est pas grave. Il faudra être performant dans 6 mois au monde. J'étais hyper contente, honnêtement. Ça l'échauffe, moi, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles, je me dis, Romane, calme-toi. J'avais vraiment hâte de reprendre la compétition depuis les Jeux, ça faisait longtemps, même s'il y avait les championnats de France et d'Europe avec le club, mais c'est vrai qu'en individuel, c'était, j'avais pas encore repris. Donc j'étais vraiment hyper contente. En plus, forcément, Bercy, c'est la plus belle salle sur le circuit, donc ça fait plaisir, le public était là. Donc vraiment, j'étais hyper contente de reprendre et je trouve que c'est quand même une bonne reprise, malgré tout. On attend les sélections. Normalement, il y a les sélections de Tel Aviv dans 2 semaines qui devraient sortir bientôt, donc voilà, on attend. Et après, j'espère les championnats d'Europe et les championnats du monde. Très bien, honnêtement, très très bien. J'ai pas mon pic olympique, on va dire, mais j'étais bien sur le tapis, je me sentais bien au niveau cœur, bien au niveau main, j'ai fait des belles choses, j'ai montré de belles choses, donc je suis quand même contente. Même si c'est un peu frustré de ma finale, forcément, parce qu'on veut pas aller en finale et ramener une médaille d'argent. Surtout qu'on a connu l'heure, j'ai vu un Bercy il y a 2 ans crier, un Bercy plein de joie, et j'avais aussi à cœur de refaire ça cette année. Pas que pour la médaille, mais aussi pour remercier le public français qui nous a soutenus de fou ce week-end. Vraiment, c'était top. On a vu, voilà, avec la médaille d'or de Tchoum, avec la médaille de Margot, les médailles de Mado, etc. Vraiment, le public était en feu et j'aurais bien voulu, voilà, que ça finisse avec moi et mon titre. C'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine.